assim que traz fora. Uhum. De arifô. Bonjour à nos amis qui nous suivent depuis la maison. J'espère que vous allez bien. Je me nomme Kwenao Ketorine, enseignante à l'école C de Guibaré. Et avec la classe de CP1 ici présente, nous allons apprendre à lire. Donc, suivez bien et vous allez apprendre avec nous. Debout. Debout. Tu nous donnes un petit chant rapidement, Sakina. 1, 2 et 3. Tape les mains. Très bien, assis. Rapidement, qui va passer lire au tableau? Qui passe lire au tableau? Oui, Elzetta. Les autres aussi. Tu lis vite. Adouma pile de l'eau. C'est bien. Fais un de poêle. Une autre personne. Rapidement, Mamounata. Adouma pile de l'eau. Très bien. Un de poêle. C'est bien. Oui. Nafissa, tu dépêches-toi. C'est très bien. Prenez les craies. Levez les craies. Écoutez bien. Écrivez. Oh. C'est bon, on n'écrit plus. Qui vient écrire O au tableau? Qui vient écrire O au tableau? Un garçon, Yassine. Les autres, on n'écrit plus. Un bon élève écoute la maîtresse. Elisetta, suis. T'as compris? Voilà. Lis. Oh. Très bien. Montre ce que tu as trouvé. Oh. Enlève bien l'ardoise. Tu as mal attrapé ton ardoise. Voilà. On montre bien. C'est très bien. Tout le monde a trouvé. Oh. Donc, on met un trait. Levez les craies. Écrivez. E. On n'écrit plus. Tu viens écrire E au tableau. Maintenant, une fille. Une fille, oui, rapidement. Les autres, on n'écrit plus. On suit au tableau. Et donc pour elle, montrez ce qu'elle trouvait. Attrape bien ton ardoise. C'est très bien. Où est ta montre? Je veux bien voir pour toi. C'est bien. Baissez. On met encore un deuxième trait. Tout le monde a trouvé aussi. Donc, levez le dessin qu'elle trouvait. Deux traits. Donc, tout le monde a eu deux traits. C'est très bien. Un gros banc. C'est bien. Nos amis à la maison, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé. Bien. Nous allons poursuivre avec notre lecture. Vous avez compris? Oui. Chacun doit suivre attentivement, afin qu'à la fin de la leçon, là, que chacun puisse prendre Adunga. C'est compris? Oui. Séparé. Effacez tout ce qui est blanc. Vous avez compris? Oui. Et laissez ce qui est en couleur. Vous avez entendu? Oui. Lire ce qui est en couleur et écrire ce qui est en couleur. Qu'est-ce que la maîtresse vient de dire? Un garçon, cadet?
La maîtresse a dit qu'on doit prendre Adouna séparé. Regarde bien, Adunga. Adunga, séparé à Sila, effacer tout ce qui est en blanc et laisser tout ce qui est en blanc et lire. Regarde, tu as répété, il faut reprendre. Calmement. La maîtresse a dit qu'on doit prendre Adunga séparé à Sila, effacer tout ce qui est en blanc et laisser tout ce qui est en couleur, lire ce qui est en couleur et écrire ce qui est en couleur. C'est très bien, on va faire un bain chinois pour lui. On reprend son bain chinois. C'est très bien. Bien. Donc, à la fin de la leçon, là, la maîtresse va voir si chacun a pu prendre Adunga séparé en couleur, en syllabe, comme il a dit, effacer tout ce qui est en blanc, écrire ce qui est en couleur, là, et lire ce qui est en couleur. Vous avez compris? Oui. Bien. Suivez maintenant. Bien. Maintenant, vous allez écouter ce que la maîtresse va dire. Vous avez compris? Après, vous allez travailler. La maîtresse va dire quelque chose. On écoute bien. Go. Go, 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 go. Maintenant, vous allez parler ensemble là. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez au début de go, go. Vous avez bien entendu? Oui. Allez-y, travaillez ensemble. Vous avez une minute, rapidement. Bien. Qui va me dire, quel groupe va nous dire ce qu'ils entendent au début? Ça a compris? Oui. Bien. On va écouter le groupe La Tolérance. On entend que au début. Est-ce qu'on entend que? On entend go au début. On entend go au début. Effectivement, quand on dit go, go. C'est bien. Les autres groupes. Groupe La Paix, qu'est-ce que vous entendez au début? C'est très bien aussi. Groupe le pardon. On entend go au début. Très bien, effectivement. Dans go, go, on entend go au début. Donc on fait un gros bain pour tous les groupes. C'est très bien. Maintenant, écoutez encore ce que la maîtresse va dire. Ça compris? Oui. Bien. A, du, ga. A, du, ga. Adunga. Maintenant, vous allez parler ensemble et dire combien de fois on entend dans Adunga. Allez-y. C'est bon. On va écouter les groupes. On va commencer par quel groupe? Groupe le pardon. On vous écoute. On entend trois fois. On entend trois fois. Groupe A, la tolérance. On entend combien de fois? On entend trois fois. Groupe la paix. On entend trois fois. Très bien. Effectivement, on entend trois fois. C'est bien. Tous les groupes ont bien écouté. Maintenant, Adunga. On entend quoi d'abord? Quoi ensuite? Et quoi enfin? Mais on va changer de groupe. Groupe la tolérance. On entend A. D'abord. Reprends. On entend A d'abord. Très bien. On entend A d'abord. C'est bien. Hein? Groupe le pardon. On entend quoi ensuite? On entend goût. On entend goût. On entend goût. Très bien. Et enfin, on entend quoi? Groupe la paix. On entend ga. Très bien. Donc tous les groupes ont bien parlé. C'est très bien. Suivez maintenant au tableau ce que la maîtresse va faire. Hein? Parce que la maîtresse va vous demander de faire la même chose. Vous avez compris? Oui. Un bon élève suit chaque fois au tableau. Bien. Thank you.
Vous avez vu ce que la maîtresse a écrit? Oui. Chacun écrit ça sur son ardoise rapidement. On se dépêche, on a une minute pour terminer, c'est compris? Oui. Bien. Bien, chacun a écrit. C'est pas encore fini. Non. On se dépêche. La maîtresse dit, vous avez une minute. Donc on te dit, ce que la maîtresse a mis en couleur, on met ça aussi en couleur. C'est compris? Oui. C'est bon, suivez au tableau. On suit maintenant au tableau. Bien. Vous avez dit dans Adunga, on entend trois fois, c'est bien. Vous avez dit aussi qu'on entend d'abord A. Donc la maîtresse va séparer. On regarde bien parce que vous allez faire la même chose. C'est compris? Oui. Suivez au tableau. Adunga. A. La maîtresse va séparer. Bien. Du. La maîtresse sépare. Et Ga. Vous avez vu ce que la maîtresse a fait? Oui. Chacun fait la même chose sur son ardoise. Ensemble, vous prenez la grande ardoise, vous faites la même chose, c'est compris? Oui. Vous avez 2 minutes rapidement. Suivez maintenant au tableau. On n'écrit plus. On suit au tableau. Les chefs de groupe là, on prend bien soin des grandes ardoises. On ne laisse pas tomber, c'est compris? On suit au tableau. Bien. Maintenant, chacun va bien regarder ce que la maîtresse va faire. Alizeta. Bien. Vous voyez, la maîtresse va effacer. Ce que la maîtresse va effacer là, chacun va faire la même chose. Donc, on suit bien. Vous avez vu ce que la maîtresse a effacé? Chacun efface sur son ardoise. Vous prenez la grande ardoise. Vous faites la même chose rapidement. On se dépêche. Vous avez fini de travailler sur la grande ardoise? Hmm? Ici, vous avez fini de traverser la grande ardoise? Oui. Ici, vous avez fini? Oui. Bien, on pose la grande ardoise. On suit au tableau. On ne touche plus à son ardoise. On suit bien. Qui va venir au tableau effacer A? Rapidement. Oui, Nouriata. Montre-nous A et tu l'effaces. A. Très bien. Efface A. C'est très bien. Maintenant, vous l'avez vu effacer. Chacun efface A sur son ardoise. Vous prenez la grande ardoise, vous effacez A. J'ai dit, on dépose pour que tout le monde puisse suivre. C'est pas toi seul, tu as compris? C'est le travail de tout le groupe. Bien, c'est fini. Oui. Suivez maintenant au tableau. On suit au tableau. C'est compris? Oui. Bien, chacun suit au tableau maintenant. On regarde au tableau. Qui sait comment on lit ce qui reste au tableau là? Qui sait comment on lit ce qui reste au tableau? Oui, Fanta. Goût. On va lire ça, goût. Qui va dire autre chose? Il faut bien écouter ce que les autres vont dire. Oui, Sakina. Goût. Goût. Très bien. Un vent pour Sakina. On va lire ça. Goût. Go! Go! Oui? Go! Fanta? Go! Sakina? Go! Faites répéter rapidement les membres du groupe. Go! Go! Kade? Go! Kade? Albert, vite, go. Vite! Hein? Go! 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 Go!
bon, suivez maintenant. Sama doit répéter. Il faut l'interroger. C'est bien. Suivez au tableau. Hein? Vous avez dit qu'on lit ça. Gue. C'est bien ça. Oui. Il y a encore d'autres manières d'écrire gue. Vous voulez connaître ça, non? Oui. La maîtresse va vous montrer ces manières-là. Suivez au tableau. Suivez. Donc, on peut écrire gue comme ça. Vous avez vu? Oui. Vous avez vu comment la maîtresse a écrit? Oui. Maintenant, qui va venir écrire gue comme ça au tableau? Oui. Les autres, vous suivez. Gueux. C'est bien. Vous avez vu, non? Oui. Chacun écrit gueux comme ça sur son ardoise. Rapidement. On n'efface pas. On laisse. La maîtresse va voir tous les gueux après. Écrivez, ajoutez seulement. C'est compris? Oui. Quand vous allez finir là, vous écrivez gueux comme ça sur la grande ardoise. C'est compris? Oui. On se dépêche. Quand on finit, on prend la grande ardoise, on écrit gueux comme ça sur la grande ardoise. Vous voyez comment la maîtresse a écrit? Elle a écrit ça en bas de l'autre gueux là. C'est ça, non? Vous aussi, vous faites la même chose. C'est fini? Oui. Suivez maintenant au tableau. On suit au tableau. Suivez. Hein? On va encore écrire une autre, hein, d'une autre manière encore. C'est compris? Oui. Suivez bien. Vous avez vu? Oui. Qui va venir écrire gueux comme ça au tableau? Oui. Cadet. Très bien. Chacun va écrire gueux comme ça sur son ardoise. Quand vous allez finir ensemble, vous prenez la grande ardoise là. Vous écrivez gueux comme ça. Les autres, vous suivez. Hein? Vous suivez sur la grande ardoise. On se dépêche. Bien. Posez les grandes ardoises. Vous suivez maintenant au tableau. Suivez bien. Suivez. Suivez au tableau. Bien. On va prendre gueux comme ça. On suit. On va voir gueux comme ça à combien de parties. Vous allez regarder. Après, vous allez parler en groupe. Hein? Chacun va dire. Vous allez me dire. Les différentes parties. Vous avez compris? Chacun regarde bien. On va voir ensemble. Vous avez vu? Oui. Hein? Oui. Donc chacun va, bien regarder. Vous allez parler ensemble et puis me dire. On se dépêche. On se dépêche. Chacun, vous parlez ensemble. On parle ensemble et on voit. Ok, on va écouter le groupe. Groupe le Pado. Gueux a combien de parties? Gueux a quatre parties. Gueux a quatre parties. Bien, on va écouter d'autres groupes aussi. Oui, groupe, la tolérance. Gueux à trois parties. Gueux à trois parties. Groupe la paix. Gueux à quatre parties. Gueux à quatre parties. Effectivement, quand on prend, on a un, deux, trois et quatre. Donc, effectivement, gueux à quatre parties. Bien. Suivez. Maintenant, regardez gueux. Gueux ressemble à quoi? Parmi les. Parmi A, O, I, le. Gueux ressemble à quoi? Oui, Nouriata.
Ressemble à A. Gueux ressemble à A. Qui va dire autre chose? Oui. Gueux ressemble à G. Gueux ressemble à G. Mm-hmm. Qui dit autre chose? Bien. Elle dit gueux ressemble à A. Effectivement, quand nous prenons ici la tête là, hein, c'est rond comme A. C'est ça? Oui. Bien. C'est cette partie seulement. Maintenant, il y a un qui a dit que Go ressemble à je. C'est vrai aussi. Hein? Vous voyez, Go ressemble à A et je. Maintenant, ici, le je n'a pas de point. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, c'est comme on a pris A, on a ajouté je sans le point. C'est très bien. Maintenant, vous suivez. Vous avez compris? Oui. Bien, on va travailler. Bien, la maîtresse a déposé des papiers sur la table. Vous écoutez bien. Vous allez chercher ensemble. Chacun va prendre gueux. Vous vous entendez, le groupe présente un seul gueux. Vous avez 2 minutes. Allez-y rapidement. On s'entend pour travailler. C'est compris? On s'entend pour travailler. C'est bon, on va écouter les groupes maintenant. Groupe le pardon, il faut vous entendre. Hein? Le nom de votre groupe là, c'est le pardon. C'est compris, non? Il faut vous entendre pour travailler. C'est compris? Bien. On va écouter les groupes maintenant. Groupe la paix, présente-nous ce que vous avez trouvé. C'est bien. Groupe la tolérance. Attrape bien. Groupe le pardon. Soulève bien, on ne voit pas. Montre à ce groupe-là. Au groupe la paix, c'est bien. Maintenant, vous suivez. On va mettre hein, ensemble. On dépose. Quand on dit de mettre ensemble là, on dépose. Chacun dépose ce qu'il tenait. Hein? Maintenant, écoutez. Vous écoutez ce que la maîtresse va dire. Avant, vous avez travaillé en groupe. Maintenant, c'est chacun qui va chercher. Vous avez compris? On ne prend pas pour quelqu'un. Chacun cherche et il enlève gueux. Si tu trouves gueux là, tu écris sur ton ardoise. La maîtresse va te demander de lui montrer. On se patiente pour chercher. Hein? Tout le monde cherche, ça reste toujours. Il faut chercher. Cherche, continue de chercher. Tais-toi, tais-toi. On cherche. On se dépêche. On se tait, pas trop de bruit. Bien. Chacun a trouvé. Maintenant, la maîtresse va voir si chacun a bien hein, trouvé gueux et écrit sur son ardoise. La maîtresse va écouter ce que chacun a trouvé. Alizeta, montre-nous ce que tu as trouvé. Oui. Très bien. Nouriata. Il faut bien attraper. La maîtresse n'a pas vu. Oui. C'est bien. Oui, Mamounata. Oui. La fille, c'est tout. Oui.
C'est bien. Oui, cadet. Gueux. C'est bien. Yacine. Pourquoi tu tenais pour Yacine? Pourquoi tu as pris? Oui, Sakina. Gueux. C'est bien. Oussamado. Gueux. C'est bien. Oui. Gueux. C'est bien. Oui. Gueux. Très bien. Mettez ensemble. Est-ce que la maîtresse a dit on continue d'écrire? Hein? Vous mettez ensemble rapidement. On efface proprement les ardoises. Chacun efface proprement son ardoise. C'est compris? On se dépêche. Bien, maintenant, chacun va regarder au tableau. Écrire gueux. 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 Bien joli. C'est compris? Allez-y. Je sais que vous allez écrire ça plus joli que pour la maîtresse là, c'est ça non? Oui. D'accord, donc on se dépêche. Écris, écris et puis tu laisses la maîtresse. Écris au lieu de... Écris, la maîtresse veut que tu écrives gueux. Et toi, tu es là, tu joues avec ton ardoise. Hein? Tu n'es pas écrit plus joli que pour la maîtresse là. Hein? Et que la maîtresse a fait en bas là, c'est long. Pourtant, ça doit être long. Hein? La maîtresse a toujours dit on pose l'ardoise sur la table. Hein? Quand tu poses là, tu pourras bien écrire. Hein? Levez les ardoises, la maîtresse va regarder. Montrez. On n'écrit plus. Levez les ardoises. Levez. Levez les ardoises. On montre bien. C'est bien. Baissez. Suivez. On suit bien. Hein? Chacun a bien écrit. Gueux. Sur son ardoise. Nos amis à la maison, j'espère que vous aussi, vous avez écrit gueux et que vous avez bien écrit. Hein? Suivez. Ensuite, quand on voulait commencer là, hein, la leçon, la maîtresse a dit qu'elle attendait de vous à la fin de la leçon là, que chacun puisse prendre Adunga, hein, séparer, effacer tout ce qui est blanc, c'est ça? Oui. Hein? Lire et écrire gueux. Est-ce que chacun a pu faire cela? Oui. Très bien, on va faire un gros bas pour vous tous. Parce que vous avez très bien travaillé. Et j'espère que nos amis à la maison, vous aussi, vous avez pu séparer Adunga et vous avez pu lire et écrire gueux. Bien. Maintenant, quand vous allez partir à la maison, chacun va chercher un ciseau et un carton, c'est ça? Oui. Voilà, on prend des ciseaux, on prend un carton, on écrit gueux, on coupe bien, on amène la maîtresse, va regarder. C'est compris? Oui. Bien, debout. Je me lève. Assis. Je m'assois. Debout. Je me lève. Assis. Je m'assois. Bien, nous venons de terminer notre leçon. J'espère que vous avez appris et que vous avez aimé. Nos amis à la maison, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle séance de lecture. O-A-U-E. Yacine transporte haricots. Très bien.